Les anecdotes. Bonsoir à tous. Alors, en cette fin d'année, on en a tous un peu marre de la thèse. On a hâte de partir en vacances. On se demande pourquoi on a signé ce contrat de thèse. Et bien moi, j'ai la solution pour vous. Ce que je vais vous demander, en fait, c'est de trouver une profession qui va vous permettre facilement de décrocher un doctorat. Donc maintenant, j'attends... Euh... J'attends vos, vos questions, vos, vos éventuelles réponses. Testeur une Testeur de chaussures Comment Testeur de chaussures pour l'aérodynamisme Non, pas du tout. <laughs> tu veux dire un domaine dans lequel c'est facile d'avoir un doctorat euh, Une profession, une fonction dans, qui peut facilement permettre de décrocher un doctorat. Lutin du Père Noël Non plus. Même <laughs> si ça très bien pourtant, mais bah oui, c'est ça Président de la République ah Mince, c'est la bonne réponse. <laughs> Alors, oui, effectivement. Alors, pour l'anecdote, le 22 octobre 2015, François Hollande s'est vu, vu décerner donc, un diplôme de docteur honoris causa qui lui a été remis donc, par l'Université d'Athènes. Suite à son rôle de médiateur, donc auprès des pays membres de l'Union européenne pour aider la Grèce à sortir de la crise. Alors, ce n'est pas le seul président qui a, qui a eu cet honneur, entre guillemets. Donc, déjà, je vais vous préciser, déjà un, un docteur honoris causa, donc c'est un titre honorifique qui est décerné donc, par une université ou une faculté, à une personnalité éminente. Et il s'avère qu'en fait, tous les présidents de la Ve République en ont obtenu au moins un, que ce soit pendant leur mandat, avant ou après. Et euh, donc, euh, le, le, celui qui a la palme, entre guillemets, le record, c'est François Mitterrand, qui en a reçu 6 au cours de ses 14 années de mandat. Et en plus, c'est euh, une moyenne très très basse, c'est pas mal hein, pour... Deux les exactement, c'est pour ça que c'est un très bon moyen. Et euh, il, y a le, il, y en, il y en a un, par exemple, qui a été décerné à Boston le 21 mai 1989 en présence de George Bush et 5000 vrais docteurs, parce que j'insiste, des vrais docteurs, parce que je pense que... Ouais, mais il y a des vrais docteurs qui sont des faux. Tu nous as dit la dernière fois les frères Bogdanov, euh, ils sont pas présidents et ils ne sont exemple, par exemple. pas vraiment vrais docteurs non plus. <laughs> voilà. Oui mais elle avait vraiment pas le titre. Alice nous dit euh, Tobira aussi était fausse docteur, mais c'était plus de la triche de CV, Alors, je crois. Exactement. Elle en a eu deux. Enfin elle, elle a dit qu'elle en avait eu deux, mais apparemment elle en a aucun. Alors maintenant dans le même genre en fait, donc il y a un sportif très connu qui a obtenu le même genre de doctorat. David Douillet. Du tout. Merde. Zidane. Ce n'est pas Zidane, non. Ah ça sent le foot. Usain Bolt. Non on n'est pas dans le foot. On n'est pas, pas dans, dans l'athlétisme non plus. Federer. Ah pas loin. On a Alice dit Federer. Dit Federer, hein. Federer c'est le... pas très loin. C'est le c'est le c'est l'autre. Nadal. Exactement. Donc en fait, Nadal, qui a reçu cette distinction aussi en 2015, Dans qui lui a été... Euh... Ça qui nous a Alors <laughs> voilà, j'ai la réponse. Alors il a été décerné donc par l'Université des îles baléares en reconnaissance de ses performances athlétiques et des valeurs qu'il a conservées pendant sa carrière. Donc, et ça, voilà. c'est un domaine de thèse. Voilà, exactement. C'est un domaine de thèse. Donc le doctorant en prend un coup. J'en suis, suis le premier euh, déçu. <laughs> et il y a aussi Eddie Merckx, qui est un peu, fin, que tout le monde ne connaît pas, qui est un ancien cycliste. Donc, euh, en conclusion, si vous voulez être docteur honoris causa, il ne vous reste qu'à obtenir 500 signatures et vous faire élire, gagner 9 fois Roland Garros ou 5 fois le Tour de France. Ou alors, il y a une autre possibilité, si vous êtes un très bon cuisinier, puisqu'il y a 4 cuisiniers ah. qui ont eu, eu cet honneur euh, en France. Bon, on va passer à la dernière anecdote. Alors maintenant, en fait, je vais vous parler d'un étudiant qui a rédigé sa thèse d'une manière très particulière. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait de particulier dans son manuscrit Il a mis des dessins Du des tout. Une bande dessinée Du tout. Il a mis aucune voyelle dans son texte. Il Y a de l'idée, mais c'est pas totalement ça. Aucun e Non. Il a utilisé que la lettres. lettre e. Ce n'est pas des lettres. Il y a l'idée. Que des chiffres Pas de ponctuation. Exactement. Oh, quelle horreur. Exactement. Alors, en fait, sa thèse, elle est composée de 52 438 mots, dont 149 pages, sans aucune ponctuation. Et il a quand même eu le titre et il a été, des... il a eu le titre, de... enfin, il a eu, euh, il a eu son doctorat. C'est une donc, thèse en fait, il... ou euh, c'est un concept ouais. <laughs> euh, Non, non, c'était, euh, c'était une thèse scientifique. Et donc, il s'appelle Patrick Stewart, qui l'a rédigé donc entièrement sans ponctuation. Et il a déclaré donc pour me défendre, je dois dire que mon style d'écriture ne vient pas d'une certaine paresse ou d'un manque de connaissance de la langue anglaise. C'est une forme de résistance grammaticale déconstructionniste. Et il dit qu'il s'est inspiré en fait d'un poète américain, Cummings. Donc, je ne sais pas si oui. certains connaissent. Donc en fait, son style a été jugé très provocateur par euh, par le jury, mais finalement, euh, a délibéré, a tranché, et il a obtenu son doctorat. Bah Dis donc, si en droit on pouvait faire des tests sans ponctuation parce qu'on sait cuisiner et qu'on fait du sport, je pense qu'avec Alice on aurait peut-être déjà soutenu. Ça faciliterait hein. la vie, on est d'accord. Sans ponctuation, sans virgule, sans point-virgule Sans virgule, point. il y a juste une majuscule et un point. Voilà, en 149 pages. Ouais, et... C'est pas un vrai scientifique, il y a des deux points avant les formules et des trucs comme ça. <laughs> Petite. Ah oui, oui. Et mais c'est pas dans la ponctuation si c'est dans la formule. Bah peut-être qu'il a juste pas mis les deux points, ah, points ah bon. j'ai dit scientifique mais je vous trompe peut-être c'était pas précisé dans, dans ce que j'ai lu <laughs> c'était peut-être pas scientifique effectivement en tout cas merci pour toutes ces informations mais c'est tout pour moi et bien, bah, très bien